Bonjour, c'est Pierre Huguet. Vous connaissez certainement Cyrano de Bergerac, moi j'adore, et en particulier la scène où il invente sept moyens pour aller sur la Lune, et ça pour protéger les amours de Christian et Roxane. Alors nous, on ne va pas aller sur la Lune, et je ne sais pas quels amours on va protéger, mais on va essayer d'inventer plusieurs manières de faire dire l'étage à son téléphone quand on est dans l'ascenseur. Alors, pour donner un exemple de ce qu'on veut obtenir, je vais enregistrer avec une caméra, un micro, l'étage affiché par l'ascenseur et le son de mon téléphone, et je vais enregistrer en simultané une copie de mon téléphone. Alors, les voisins vont me prendre pour un fou, mais je vais quand même aller essayer ça dans l'ascenseur de mon immeuble. Alors, c'est rigolo, non, ce téléphone qui nous dit l'étage. Maintenant, on va passer à la réalisation. Alors, comment on pourrait bien faire? Eh bien, il va falloir utiliser des capteurs. Donc, faites la liste des capteurs que vous avez sur votre téléphone et essayez de voir comment vous pourriez vous en servir pour calculer l'étage. Alors, il vous faut du temps, faites pause vidéo et puis revenez dans 5 minutes avec des idées. Alors, vous avez vraiment cherché? Alors, si vous êtes plusieurs, présentez votre idée à votre voisin, essayez de la valider. Est-ce que ça va bien marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Refaites une petite pause avant de continuer. Bon, ben alors on va y aller. Et on pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, comme dirait Cyrano. Alors, il y a plusieurs solutions, il y a pas mal de capteurs sur votre smartphone. Il y a l'accéléromètre, sur certains, il y a un baromètre, il y a un chronomètre, il y a des capteurs de luminosité, de proximité, il y a la caméra. Alors, on peut utiliser l'un ou l'autre de ces capteurs, ou plusieurs ensemble. C'est souvent ce qui donnera les meilleurs résultats. Alors, ici, nous allons voir la solution avec le baromètre, et nous verrons plus tard les solutions avec l'accéléromètre et le chronomètre, par exemple. Ce que nous allons utiliser comme propriété physique pour mesurer les étages, c'est la baisse de la pression atmosphérique en fonction de l'altitude. Alors cette baisse, elle a été mesurée par Blaise Pascal, justement, au début du XVIIe siècle. Elle est de 0,12 hectopascal. Un pascal, c'est un newton par mètre carré. Alors, quand on monte d'un mètre, le poids sur un mètre carré baisse de l'équivalent d'un mètre cube d'air, soit 1,22 kg fois la gravité 9,81, ce qui nous donne 12 newtons par mètre carré ou 12 pascals à chaque fois qu'on monte d'un mètre. Alors cette pression, on va la mesurer avec un capteur qui est un baromètre. Il faut donc que votre téléphone soit équipé d'un baromètre, ce qui n'est pas systématique. C'est le cas des Nexus 1 à 5 et de la liste de téléphones qui sont indiqués à l'adresse ci-dessus. Par ailleurs, le composant barométrique n'est pas présent de façon nominale dans App Inventor, il faut le charger pour pouvoir l'utiliser. Alors, avant de commencer à coder, on va préciser l'algorithme que l'on va utiliser. Premièrement, on va définir la pression au sol ou la pression à l'étage 0 comme la pression de référence. Deuxièmement, on va ensuite mesurer en continu la pression et à chaque fois que cette pression change, on va calculer la différence pression de référence moins pression actuelle. Comme la pression baisse, cette valeur sera positive quand on monte. On va ensuite diviser par 0,12 si c'est en hectopascal ou par 12 si on est en pascal pour obtenir la hauteur en mètres. Ensuite, on va diviser par la hauteur de chaque étage que l'on définira comme une variable et on obtiendra comme ça le numéro de l'étage. Enfin, on va arrondir à l'entier le plus proche et on annoncera l'étage avec le haut-parleur du téléphone si cet étage a changé. Pour l'interface utilisateur, ça ne va pas être très compliqué. On va mettre un bouton pour mettre en correspondance la pression de référence à l'étage 0.
Ensuite, on va mettre un label pour indiquer la hauteur d'étage et un textbox pour gérer la variable de hauteur d'un étage. On va réafficher un textbox pour l'étage avec un label pour indiquer de quoi on parle. Et ensuite, on mettra deux labels pour la pression et la hauteur. Côté composant, on aura besoin d'un composant baromètre qu'on va aller chercher à cette adresse-là, puisque ça n'est pas un composant qui est nominalement présent dans App Inventor. Et on va aussi prendre un composant texte à parole pour dire l'étage. Le dernier point que je fais toujours personnellement, c'est que je mets toujours un composant notificateur pour les messages et le débogage. Alors on va maintenant passer à la programmation et on va démarrer App Inventor. Ce démarrage, je le fais à partir d'une icône que j'ai mise sur le bureau et dont l'avantage est de disposer directement de App Inventor en français. Vous pouvez aussi programmer cette application en anglais si vous préférez. Donc, dans les projets, je crée un nouveau projet que je vais appeler étage barreau. Et je vais d'abord créer la partie interface utilisateur. Dans cette interface utilisateur, que je vais déclarer en mode centré pour que les choses soient centrées au milieu, je vais créer un bouton qui sera un bouton reset. Donc ce bouton, je mets à l'intérieur reset. Et le nom du bouton, pour que je puisse m'en rappeler, je vais le renommer en bouton reset. Ensuite, dans un arrangement horizontal, je vais mettre les informations nécessaires pour pouvoir modifier la hauteur de l'étage. Donc je vais prendre un arrangement horizontal, ici, dont je vais déclarer la largeur en remplir par an pour qu'elle occupe tout l'espace. Et dans cet arrangement horizontal, je vais d'abord mettre un label qui va m'expliquer de quoi il s'agit. Donc il va s'agir de mettre la hauteur de l'étage en mètres. Alors ce label, je vais lui dire qu'il a une police de 20 caractères pour qu'on le voit à peu près correctement. Et puis je vais rajouter à ça une zone de texte dans laquelle je vais pouvoir afficher et modifier, c'est pour ça qu'on utilise une zone de texte, la hauteur de l'étage. Donc je vais renommer ça en zone de texte hauteur étage. Et je vais lui dire que la taille de la police est de 20. Je vais également lui dire que dans cette zone de texte, on ne peut mettre que des nombres. Uniquement des nombres. Voilà. Ensuite, je vais rajouter une autre zone de texte. Mais cette fois-ci, des caractères de taille 80. Et en gras, pour afficher l'étage. Donc l'étage, ça sera également des nombres uniquement. Donc, je vais renommer cette zone de texte en disant que c'est l'étage. OK. Et je vais dire que par défaut, c'est 0, par exemple. Ensuite, je vais mettre un label pour expliciter ce que j'ai affiché au-dessus. Et donc, dans ce label, je vais mettre que c'est étage. Ensuite, j'ai besoin de deux autres labels. Celui-ci, je vais quand même le mettre en taille 32, comme ça on verra bien. Et puis, on va utiliser deux autres labels pour afficher la pression et la hauteur. Donc un label que je vais renommer label pression, dans lequel on va afficher la pression, mais je vais mettre pression par défaut dans le texte pour m'en rappeler. La taille de la police, je vais la fixer à 20. Et je vais faire la même chose pour la hauteur. J'indique que c'est le label hauteur. Et je vais mettre par défaut que c'est hauteur. Voilà. Et avec une taille de police de 20 caractères. Alors ça a l'air de bien se présenter. Le reset, quand même, je vais lui mettre une taille de 20 caractères. J'avais oublié de le faire. Et j'ai oublié d'une part que ça devrait être centré, donc je veux dire que la zone de texte qui représente l'étage est une zone qui est centrée, alignement du texte centré. Et je vais dire aussi que par défaut la valeur de la hauteur de l'étage ça sera 2.7, comme ça si jamais j'oublie de la mettre il y aura une valeur qui sera correcte.
On va maintenant passer aux composants de service qui n'apparaissent pas dans l'interface utilisateur mais qui sont nécessaires à l'application. On va prendre en particulier un notificateur pour afficher les messages. On va avoir besoin d'un composant texte à parole qui est dans les médias pour convertir le texte en parole et dire les tâches. Donc c'est un composant texte à parole qui est dans le troisième onglet. Et enfin, on aura besoin d'un baromètre qui lui est dans les extensions et qui n'est donc pas par défaut dans App Inventor et qu'on va devoir importer. Alors, pour l'importer, je vais vous afficher ici l'adresse, mais on va, nous, aller le chercher directement sur Internet. On va rechercher, par exemple, App Inventor Barometer Extension. Voilà. Alors, j'ai fait des fautes d'orthographe, mais il me l'a trouvé quand même. C'est celui qui est de Pura Vida Apps, à cette adresse-là. Et vous avez ici toute une documentation, et à la fin de cette documentation, vous pouvez charger l'extension AIX. Vous cliquez là-dessus, et l'application se télécharge dans votre répertoire de téléchargement normalement. Vous enregistrez, et votre extension AIX est à présent sur votre ordinateur. Vous revenez sur App Inventor, qui est ici. Et vous importez l'extension depuis la zone de téléchargement, ici. Voilà, AX, import. Voilà, mon extension Typhoon Barometer est importée. Ce que je dois faire, c'est rajouter ce composant dans l'interface. Et maintenant, j'ai terminé la partie design de l'application. Je vais pouvoir aller vers la programmation en cliquant sur le bloc en haut à droite. Alors, rappelons-nous ce que nous avons à faire. Quand j'appuie sur le bouton Reset, je définis la pression au sol comme la référence. Ensuite, à chaque fois que la pression change, je vais dérouler les actions 2, 3, 4 et 5, faire la différence entre la pression courante et la pression de référence, diviser par 0,12, puis diviser par la hauteur de l'étage, arrondir à l'entier le plus proche et annoncer l'étage s'il a changé. Alors, on y va. Donc il y a deux événements auxquels je dois réagir dans le programme, c'est quand je clique sur le bouton Reset, donc quand je clique sur le bouton Reset, et le deuxième événement c'est quand la pression mesurée a changé. Il y en a un troisième que j'ai oublié de mentionner, c'est quand le programme démarre. Dans ce cas-là, je dois vérifier que le téléphone que j'utilise a bien un capteur de pression. C'est ce que je vais faire ici, et je vais le vérifier dans Screen Initialize. La première chose que je vais faire, c'est de déclarer les variables que je vais utiliser. Donc, je vais avoir la pression de référence, PRF, que je vais initialiser à 1013 hectopascales, qui est la valeur standard de l'atmosphère, 13. Ensuite, je dois déclarer le nombre d'hectopascales dont la pression baisse à chaque mètre. Donc, je vais l'appeler dp par mètre. Et là, donc, ça va être 0,12, puisque la documentation me dit que mes mesures sont en hectopascal. Ensuite, je dois donner la hauteur de chaque étage. Donc, hauteur étage, étage, et je vais l'initialiser à 2,7 mètres. Ensuite, je vais avoir trois variables qui changent en continu. La pression mesurée, pression, que je peux initialiser aussi à 1013. Ça n'a pas grande importance, mais je donne une valeur qui n'est pas stupide. Il va y avoir la hauteur. Je vais dupliquer ça. Donc, je vais avoir la hauteur au-dessus du niveau 0, que je vais initialiser à 0. Et enfin, là, l'étage calculé. Voilà. L'étage que je vais initialiser également à 0. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est vérifier que sur cet appareil, il y a bien un baromètre. Donc, on va faire un test ainsi. Alors, s'il y a un baromètre, c'est-à-dire dans Typhoon Barometer, si le baromètre est disponible, alors je vais l'initialiser. On va mettre Typhoon Barometer activé à vrai. Voilà, on active le baromètre pour être sûr qu'il est en fonctionnement. Et sinon, eh bien, on va dire
avec un notificateur qu'il n'y a pas de baromètre. Alors je déplace un petit peu cet événement là. Donc le message, ça va être pas de baromètre sur cet appareil. Le titre, ça va être baromètre point d'interrogation, et le bouton, on va mettre OK. Ce qu'on va faire ensuite, c'est programmer le bouton reset avec deux choses. On va mettre à jour la hauteur de chaque étage avec la valeur lue dans la zone de texte correspondante parce que quelqu'un peut l'avoir changé. Voilà, on va mettre la hauteur à la valeur qui est dans la zone de texte. Et le deuxième point qu'on va faire, on va mettre la pression de référence à la pression mesurée. Donc on va mettre la pression de référence à la pression mesurée. Alors cette pression mesurée, elle est, c'est pas une variable, c'est une propriété de Typhoon. Donc pression mesurée. Voilà. Alors à ce stade-là, en général, il faut déjà avoir vérifié ce qu'on a fait en se connectant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à mon téléphone en cliquant sur le compagnon AI et je vais le faire apparaître à droite pour que vous voyez ce que je fais. Alors je vais cliquer sur le compagnon AI côté téléphone. Voilà, je vais cliquer sur le compagnon AI 2. Je scanne en cliquant sur scan et je dois avoir mon application qui va se charger sur le téléphone. Alors voilà, actuellement si je fais un reset, je vois bien un étage 0, mais en fait il ne se passe rien puisque je n'ai pas programmé ce que le téléphone doit faire quand la pression change. Donc on va s'occuper maintenant des traitements effectués quand la pression change. Donc pour l'instant je vais faire un reset de la connexion pour ne pas être ennuyé par les warnings. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire que la hauteur au-dessus du niveau 0, donc la hauteur est égale à la différence de pression, donc mathématique, la différence moins la variable PRF moins la pression mesurée, qui est donc cette pression-là. Et ça, je dois le diviser, donc je dois prendre une fonction mathématique divisée et je vais diviser par l'écart de pression par mètre. Donc ça, c'est la variable dp. Par mètre. Donc ça, je le mets ici et je le mets là. Voilà, et puis je peux demander à ce que ce bloc, pour qu'il ne soit pas trop étendu, on va le mettre en données externes. Et puis je vais déplacer ça un peu pour pas qu'il se chevauche. Ensuite, maintenant que j'ai la hauteur au-dessus du niveau 0, je dois diviser cette hauteur par la hauteur de chaque étage pour avoir le numéro d'étage. Donc je vais de nouveau mettre étage à hauteur divisé par la hauteur de chaque étage, donc mathématique divisé la hauteur divisé par la hauteur de chaque étage, hauteur étage. Voilà. Et donc là, j'ai un chiffre qui me donne l'étage, mais qui a plusieurs décimales. Donc il faut que j'arrondisse cette valeur pour avoir un nombre entier. Alors ça, je le fais avec une fonction mathématique qui se trouve ici. Donc je vais dire que je veux 0 décimale pour arrondir à un nombre entier. Donc je mets 0 décimale à ce chiffre. Et donc j'ai un nombre d'étages ici qui est un nombre entier que je vais pouvoir comparer à la valeur qui est déjà affichée dans la zone de texte. Donc je compare
la variable étage qui vient d'être calculée à la valeur qui a déjà été stockée. Donc, si ces valeurs ne sont pas égales, si la variable n'est pas égale à ce qu'il y a dans la zone de texte où on a stocké la valeur précédente de l'étage, dans ce cas-là, on va annoncer le nouvel étage avec un texte à parole. Le texte à parole, il est ici. Donc on va appeler texte à parole de la variable étage. Et puis ce qu'il faut qu'on fasse quand même, c'est qu'on mette la zone de texte à la nouvelle valeur de l'étage. Voilà, la dernière chose qu'on va faire, c'est afficher dans le label pression la valeur de la pression pour pouvoir contrôler. Donc ici, on met dans le texte du label pression la concaténation de pression en HPA de points. On va mettre juste derrière la variable pression. Pression ici. Et on va faire la même chose pour la hauteur. On va mettre label hauteur. Hauteur en mètres. Et on va mettre ici la hauteur. Voilà. On a terminé notre programme, on peut maintenant l'essayer. Donc je fais apparaître le téléphone à l'écran du PC, je m'y connecte avec le compagnon AI du côté du PC et de la même manière du côté du téléphone, et je lance le scan. Voilà, le téléphone est chargé, et là moins 55. Au moins 55e étage parce que on n'a pas calibré moins la pression. 54. Donc j'appuie sur reset. 0. Et je suis à l'étage 0. Je vois quand même une petite difficulté ici, c'est que la hauteur de l'étage en mètres est trop grand comme chaîne de caractères pour laisser apparaître la valeur qu'on a donnée. Donc on va corriger ce point-là et on va pouvoir refaire des essais. Pour corriger ce point-là, je reviens vers le designer, je clique sur le label 1 et je change le texte associé à ce label hauteur étage en mètres. Je vais simplifier. Voilà. Et donc ce que l'on voit, c'est que ce changement réinitialise le téléphone et je dois à nouveau faire reset. Et cette fois-ci, je vois bien que l'étage, il est à 2,7 mètres. Alors avant d'aller dans l'ascenseur, je vais modifier la hauteur de l'étage pour vérifier depuis ma chaise si ça marche bien. Donc là, au lieu de 2,7, je vais mettre 0,3. Je fais un reset. Voilà, je peux me lever. 1, 2, 3, 2, 1, voilà. 0. Donc je vois qu'avec 30 cm ça marche et donc maintenant je vais pouvoir faire les essais en grand bras réel. Alors on prend l'ascenseur et c'est parti. Reset et décollage. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C'était la méthode barométrique. Maintenant, faites comme Cyrano, trouvez-en d'autres.